Désolée, oui, mais je suis vraiment trop triste pour rire. Oh, misère. Qu'est-ce qui ne va pas, Patoclap? Oh, j'ai perdu mon vieux ballon doudou. Ton ballon doudou? C'est un ballon en tissu très abîmé et qui n'est plus très beau. Je l'ai depuis tout petit. Je lui fais plein de câlins. Et plus je lui fais de câlins, et plus il est doux. Mais maintenant, je l'ai perdu. On doit retrouver son ballon doudou. Il faut que je mène l'enquête. Comment rendre son ballon doudou à Patoclap? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire de la licorne malheureuse. Par où vas-tu commencer ton enquête? D'abord, je dois savoir où le ballon doudou a été vu pour la dernière fois et aller chercher des indices. Excellente idée. Patoclap, quand as-tu vu ton doudou pour la dernière fois? Je l'avais avec moi pour le petit déjeuner ici dans la forêt des contes. C'est bon. C'est bon, ça va. Et ensuite, on est tous allés jouer dans le labyrinthe. Et je suis sûre que là-bas, je l'avais. Mais je ne le retrouve plus depuis qu'on est rentrés. Alors, il est peut-être encore dans le labyrinthe. On devrait aller vérifier. Oui. Grâce à cette photo, je me souviendrai à quoi ressemble ton ballon doudou. Oh, merci, oui. Séparons-nous pour chercher. Ce sera plus rapide. Trotteur et Bella, par là. Vous deux, par ici. Zim Zim et moi, on va voir tout droit. Qu'est-ce qui se passe, mon chien? Un bout de tissu. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est ça, le ballon doudou de Patoclap est fait du même tissu. Quelqu'un a dû le déchirer. Le déchirer? Allons. Oh, misère. Où est le reste de mon ballon doudou? Qu'est-ce qu'il a? On vient de retrouver ce morceau de tissu. Il a été déchiré. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Cache ça, vite. Désolée. Mais pourquoi quelqu'un n'aurait laissé que ce petit morceau de tissu? À mon avis, ce n'était pas fait exprès. Peut-être que le ballon était coincé dans le buisson. Et quand quelqu'un a voulu le récupérer, un morceau s'est déchiré. Quelqu'un l'a pris et l'a déchiré. Je pourrais plus jamais lui faire de câlin. Ça va s'arranger, Patoclap. Oui, va continuer son enquête. Si quelqu'un peut retrouver ton ballon doudou, c'est bien lui. D'accord. Au revoir, tout le monde. Je dois continuer à chercher des indices. Je me suis fendu un sabot ou quoi? C'était quoi ce bruit? Ne t'inquiète pas, tu n'as rien. Regarde, une baguette magique. Peut-être que le jouet à qui elle appartient a pris le ballon de Patoclap. La reine Paillette a une baguette magique. Mais elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Réfléchissons, qui est plus petit que la reine Paillette et pourrait utiliser une baguette?
Dinosaurus? Non. Deltoïde? Non. Les fées? Oui. En route. Avez-vous pris un ballon fabriqué avec ce tissu? Désolée, ce n'est pas nous. Parole de fée. Vous en êtes sûre? On a trouvé votre baguette magique juste à côté. Ouais, allez, dites la vérité. Nous n'avons pas encore de baguette. Nous ne sommes que des apprentis. Et de toute façon, ce n'est pas une vraie. C'est une fausse baguette. Pour les déguisements. Une fausse baguette magique? Qui aime se déguiser au pays des jouets? Pat-Pat et les Pocates! Ils adorent les costumes! Ah, tu as raison! On a joué avec eux dans le labyrinthe tout à l'heure. Il faut que j'aille parler à Pat-Pat. Allez, Zim-Zim, en route pour la vallée des animaux! Bonjour, oui, oui! Bonjour, Pat-Pat, bonjour les Pocates! Merci de nous avoir ramené notre baguette magique. On l'a cherchée partout. Je suis là parce que je mène une enquête et j'ai une question à vous poser. Et nous, on aide Oui-Oui pour son enquête. Ouais, on cherche un ballon doudou qui a disparu, alors tu dis la vérité. Hein? La vérité sur quoi? Et puis, c'est quoi un ballon doudou? C'est le doudou de Patoclap, un ballon en tissu, fabriqué avec ce tissu-là. Regarde. Quelqu'un a pris le ballon dans le labyrinthe. Oui, on sait tous qui. Oh! C'est moi qui l'ai pris. C'est toi qui l'as... Hein, quoi? Tu as pris le ballon? Quand ça? Quand on jouait dans le labyrinthe, j'ai accidentellement roulé dessus avec ma trottinette et je l'ai complètement écrasé. Hein? Quoi? Oh, zut! Je ne savais pas que c'était le ballon de Patoclap. Oh. Il est fichu. Oh non. Oh, je suis vraiment, vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, c'était un accident. Ouais, mais maintenant, comment est-ce qu'on va rendre son ballon doudou à Patoclap? Il va rester malheureux pour toujours, c'est totalement insupportable. Il doit y avoir un moyen de régler ça. Comme le dit toujours Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. C'est quoi tout ça? Ce sont juste des morceaux de tissu. Je les garde et je m'en sers pour fabriquer de nouvelles choses. Pour fabriquer de nouvelles choses? Voyons voir. Rose, bleu, mauve. Ce sont les mêmes couleurs que celles du ballon doudou de Patoclap. Pat-Pat, pourrais-tu fabriquer un ballon comme celui-ci? Oh oui, bien sûr que je peux le faire. J'adore vraiment créer des objets. Oh! Pat-Pat, t'as fabriqué un ballon tout neuf. J'espère qu'il te plaît. Oh! Oh, mais non! Oh! Je suis désolée, Oui-Oui. Il ressemble beaucoup à mon doudou. Mais je sens bien qu'il n'est pas pareil. Oh! Il n'est pas pareil? Que peut-on faire pour qu'il ressemble à son vieux doudou? Oh, c'est pourtant un beau ballon tout neuf. Tout neuf? C'est ça! Il est peut-être trop neuf. Patoclap faisait plein de câlins à son ballon. Ah ouais, et plus on lui fait de câlins, et plus le ballon doudou, il est doux. Je crois que je sais comment ce ballon pourrait avoir plein de câlins. Tenez. Tiens, Patoclap, essaie-le maintenant. Oh! Il
Exactement comme l'ancien. Il est tout doux. Oh, merci, oui, oui, merci les amis. Oh, j'ai retrouvé mon ballon doudou. Super. Bravo. Bon travail, mon garçon. Tu as encore résolu une enquête. Merci. J'ai compris que Pat-Pat avait accidentellement déchiré le ballon doudou de Pat-O-Clap. Après, j'ai découvert qu'elle pouvait en fabriquer un œuf avec des chutes de tissu. Nous n'avions plus qu'à faire plein de câlins au nouveau ballon pour qu'il soit aussi doux que l'ancien. Et grâce à toi, Pat-O-Clap est redevenu heureux comme avant. Oui, l'affaire de la licorne malheureuse est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire classée. Oh, j'adore aller cueillir des laitues à la ferme. C'est toujours amusant. Tom m'a dit qu'on pourrait en prendre une pour nous. Formidable. J'adore la salade. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, misère. Les laitues de Tom, que font-elles sur le bord de la route? Oui, oui, Potiron, je suis vraiment content de vous voir. Oh, que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. Quand je me suis réveillé ce matin, tous les animaux s'étaient échappés de leur abri. Apparemment, ils ont passé la nuit dehors. Et maintenant, c'est mon chat qui a disparu. Oh, hé! As-tu entendu quelque chose? Rien du tout. J'ai dormi comme un loir. Mes pauvres animaux, quelque chose a dû les énerver. Mais je ne sais pas quoi. Ça m'inquiète. J'ai peur que ça recommence ce soir. Ne t'en fais pas. Je peux t'aider. Je vais découvrir quel est le problème. Comme ça, ce soir, tes animaux ne seront pas énervés. Oh, oui, oui. Super. Merci beaucoup. Oh, il faut que je mène l'enquête. Pourquoi les animaux étaient-ils énervés hier soir? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Appelons cette enquête l'affaire des animaux énervés. Par où vas-tu commencer ton enquête, oui, oui? Je vais commencer par faire le tour de la ferme. Je trouverai peut-être des indices. Bonne idée. Et je vais t'aider à ranger. Merci, Potiron. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rassembler les animaux, retrouver mon chat, ramasser les laitues, replanter les carottes et les citrouilles, réparer Je vois. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Bonne chance, mon garçon. Merci. Je ne trouve rien qui ait pu énerver les animaux de ta ferme. S'est-il passé quelque chose d'étrange hier soir? Non, rien. J'ai mis de jolis autocollants tout neufs sur les abris des animaux. Je leur ai donné à manger et ensuite ils sont allés dormir. Oh, sapristi! Hé, petite vache, reviens! Il faut rentrer à la ferme. Merci, oui, oui. Allez, ma grande, on rentre. J'attends tes nouvelles, oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? On dirait bien des confettis. Et il y en a d'autres là-bas. C'est sûrement un indice. Ce sont peut-être ces confettis qui flottaient dans les airs qui ont fait peur aux animaux hier soir. Je vais suivre cette piste. Les confettis nous conduisent au Dino Labo. Dinosaurus? Bonjour. Oh, elle est vite, descend. Oh non, attention. Ne touche pas à ça. Ah. Oh, merci, oui, oui. Ce petit chat a dormi ici cette nuit. Il est vraiment très mignon quand il dort, mais un peu trop sautillant quand il est réveillé. Oh. Oh. Pourquoi
a-t-il dormi ici? Hier soir, j'ai failli le renverser avec ma dynamobile. Le pauvre Minou s'enfuyait de la ferme. Il était tellement énervé que je l'ai ramené chez moi. Le chat était énervé, comme les autres animaux de la ferme. Oh, pauvre petite bête. Hé, Minou, arrête ça! À mon avis, ils ont eu peur des confettis. Non, oui, je ne pense pas. Ce petit chat adore les confettis. Il a joué avec le sac pendant tout le trajet jusqu'ici. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé des confettis. Il a dû en laisser tomber tout le long de la route. Oui, mais je ne peux pas le laisser continuer à jouer avec. J'en ai besoin pour tester mon nouveau canon à confettis. Regarde, je remplis le tube de confettis. Ensuite, j'appuie sur le poussoir et... Tada! Il lance des confettis dans les airs. Oui, Zim Zim, le chat adore vraiment les confettis. Ce n'est donc pas à cause de ça que les animaux étaient énervés hier soir. Allez, viens, je te ramènerai à la ferme quand j'aurai terminé mon enquête. Au revoir, Minou. Et reviens quand tu veux. Mais d'où vient tout ce vacarme? C'est peut-être ça qui a énervé les animaux hier soir. En route! Soyez sages, vous deux, d'accord? Super, pas vrai? Wiz a mis un nouveau haut-parleur dans ma patte. C'est pour les fêtes. Avez-vous dansé jusque tard dans la soirée? Les animaux de la ferme n'ont pas pu dormir la nuit dernière. C'était peut-être à cause de ta musique. Oh zut! Mais non, ça peut pas être nous. La licorne était fatiguée, je sais pas pourquoi. Alors, on est tous allés se coucher tôt. Si ce n'est pas la musique qui les a énervés, qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Regarde, une fleur a été découpée dans ce papier. Je suis sûre d'avoir déjà vu des fleurs comme celle-ci quelque part aujourd'hui. Mais oui, elles sont comme celles que j'ai vues à la ferme. Pat-Pat, c'est toi qui as fabriqué ces fleurs? Oh oui, c'est moi. Wiz m'a donné du super papier autocollant. Elles sont belles, hein, tu trouves pas? Oui, et tu en as donné à Tom le fermier? Je me suis dit qu'elles iraient vraiment très très bien à la ferme. Quand les as-tu donné à Tom? Hier après-midi, pourquoi? C'est justement hier que ces animaux ont commencé à s'énerver. Je me demande si c'est pas à cause de tes autocollants. Mes autocollants? Mais pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que le papier a quelque chose de spécial? Non, non, je crois pas. Tu peux garder cette fleur, elle t'aidera peut-être pour ton enquête. Merci, moi non plus je ne vois rien de spécial. Je vais aller voir Wiz, il pourra peut-être m'aider. En route, Zim Zim. Bienvenue à Brécaville. Négatif, oui. Oh, oust! Mon papier autocollant n'a pas pu énerver les animaux. Oh non! Oh, ne touche pas à mes outils, petit chat! Mon papier autocollant est parfaitement normal. Il est... S'il te plaît, le chat, arrête! Oh, oh, erreur! Oh, oh, erreur! Ça va aller, Wiz. Voilà. Merci, oui. Si ce ne sont pas les autocollants qui ont énervé les animaux, qu'est-ce que c'est? Cette enquête est vraiment très difficile. Oh non! Il va bientôt faire nuit. Si je ne découvre pas ce qui s'est passé, les animaux risquent encore de ne pas dormir ce soir. On est inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le dit toujours Potiron, un bon détective n'abandonne jamais. Je dois retourner à la ferme et chercher de nouveaux indices. Au revoir, Wiz. Au revoir, oui.
Vous quittez Brickaville. Au revoir, à bientôt. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Oh là là, les autocollants brillent dans le noir et Zimzim et le chat sont très énervés. C'est ça qui énerve tous les animaux. En route, Vroom, on doit vite aller à la ferme. Désolé. Ah, c'est mieux comme ça. Merci pour ton aide, Potiron. Oh, mais je t'en prie. Ah, oh, le chat, te voilà. Je suis très content de te voir, tu sais. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais à mes jolies décorations? Je suis vraiment désolée, Tom, mais on doit absolument tout enlever avant qu'il ne fasse nuit. Mais on vient juste de tout ranger. Je sais, mais j'ai une bonne raison. Fais-moi confiance. Je ne comprends toujours pas. Regarde. Le papier autocollant de Whiz brille dans le noir. Tout va bien. Regarde, je l'enlève. Oh, c'est pour ça que mes animaux étaient aussi énervés hier soir. Merci, oui, oui. Bon travail, mon garçon. Tu as encore résolu une enquête. Les animaux dormiront bien mieux cette nuit. Merci. Au début, j'ai cru que c'était les confettis qui avaient fait peur aux animaux. C'est lorsque l'autocollant de Pat-Pat a brillé dans le tunnel que j'ai compris que c'était ça qui empêchait les animaux de dormir. L'affaire des animaux énervés est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère.